Sur la côte des légendes, au cœur du pays pagan, les mythes et le merveilleux ne sont jamais très loin. Un homme, René Perron, y a fait une étonnante découverte. Quand la mer est partie, sur l'estran, il y a une multitude de petits tortillons. Un jour, mon pied est resté suspendu au-dessus d'un caractère. Ben, je me suis dit, oh, ben, dis donc, c'est un A. Suivant, j'ai trouvé d'autres lettres, d'autres signes. Est-ce qu'il y avait donc une espèce d'alien sous le sable qui avait la science de l'écriture, la science des écritures et au-delà même raconter des histoires. Cet académicien des grèves, ce scribe souterrain qui, marée après marée, offre à René Perron ses plages d'écriture, le voici, l'Arénicole. Son nom scientifique, c'est Arénicole. Ouais. Marina, je crois. C'est en latin, quoi. Ouais, c'est ça. Arénicole. Arénicole. Vers marin. C'est et ça. Donc. C'est pas le seul, nous, on disait buzuc, hein, et on dit buzuc. Ah, ouais. Alors, tu vois, cette bouche, là, qui est là. Ouais, ouais. Et bien, cette bouche-là, elle est dessous le. Une sorte d'entonnoir. Ouais. Il y a un entonnoir. Il y a un entonnoir. On appelle ça un piège. Ouais. Un piège à sédiments. Et lui, il vient les chercher. Il est en dessous. D'accord. Il attend que les sédiments tombent. Ouais. Et quand il a eu sa dose, hop, il redescend dans son tube en U, et tout ce qu'il n'aime pas, il le ressort par l'anus qui est ici. Voilà, bah, c'est ça que tu peux trouver donc, sur le sable, que toi tu connais bien d'ailleurs. Ouais, ouais, donc t'en as beaucoup. Les signes, un truc, oui. Ouais. J'ai trouvé une lettre. Ah. C'est un Q. Ah, t'as trouvé un Q? On a trouvé un S. Là, j'ai disposé les différentes photos que j'ai réunies sous la forme d'un abécédaire et où on retrouve l'alphabet latin, mais également un certain nombre de signes qui peuvent appartenir soit à d'autres écritures, soit à des écritures totalement inventées. Donc, c'est une espèce de damier qui, comme un jeu de loi, raconte une histoire. Des signes, des messages qu'essaie de nous délivrer ce vers étonnant, l'Arénicole, l'écrivain des sables. René Perron aime croire aux histoires, des histoires éphémères que la marée efface.